Alors ici, on se trouve dans mon atelier boutique, Diable Petite Manufacture. C'est donc un atelier d'illustration où je vends et où je réalise mon travail d'illustratrice. Alors moi, je suis une illustratrice numérique. Je travaille avec une tablette graphique, un ordinateur, et j'ai deux techniques d'impression. Soit je fais des tirages aux encres pigmentaires, qui sont des tirages numériques, soit j'imprime avec une vieille presse typographique, qui est une presse d'imprimerie du siècle dernier. Habituellement, le journal des postiers présente des photographies. Le Covid interdisait de monter un studio de photos. On m'a donc proposé de réaliser des illustrations à partir de selfies. Moi, j'ai travaillé directement sur des photos qui venaient des postiers eux-mêmes. Je travaille dans un premier temps en dessin, avec un trait assez gras, assez marqué, qui donne du dynamisme et du ressort au portrait. Alors là, on est en fait à la deuxième étape du travail. Et donc là, je vais travailler par niveau, en fin de compte, par chaque calque va porter un ton différent. Voilà, on a un ton moyen, je commence toujours plutôt par un ton moyen. Et je vais venir là-dessus amener progressivement des lumières. Dans le brief de départ, il était imposé d'utiliser le code couleur de la poste, à savoir le bleu et le jaune. Il y a vraiment un rapport humain à ces personnes. Et j'ai trouvé ce corpus de photos extrêmement humain, justement. Peut-être parce que les gens ont pris eux-mêmes les photos. Ils avaient un rapport à la caméra qui était très spontané, qui était très direct, avec des regards droits, des sourires, et ça, c'était vraiment très, très agréable à travailler. Le but de ce retravail était d'une part de donner une cohérence à toutes ces photos, et puis aussi de magnifier un petit peu ces personnages qui sont des héros, d'une certaine manière.